Salut tout le monde, c'est Rainbow. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai une vidéo très spéciale. C'est un produit, dans le fond, que j'ai souvent été tagué dessus sur Facebook, Instagram. Et là, je me suis dit, bon, ok, là, j'ai vraiment une demande. Là, full monde veut savoir qu'est-ce que j'en pense, tout ça. Alors, je l'ai commandé en ligne. 2 mois plus tard, j'ai reçu, là, j'ai déjà ouvert la boîte, les LED Lashes. Qu'est-ce que c'est? C'est une bande, dans le fond, on peut pas dire vraiment que c'est des lashes, parce que c'est vraiment juste une bande qu'on va appliquer sur nos yeux, et c'est en lumière LED. Là, ça a l'air d'être la grosse affaire, tout le monde a ça, là, j'en ai vu quelques-uns dans les clubs avoir ça, puis je me suis dit, est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est approuvé Rainbow? Il y avait diverses couleurs quand je l'ai acheté sur Amazon. Moi, j'ai décidé de prendre la couleur blanc. Parce que je voulais voir si ça peut fitter avec n'importe quoi. Et j'ai regardé un peu dans l'emballage à voir s'il y avait les instructions. Et il y a absolument rien. Fait qu'on va essayer de les mettre et on va voir si ça fonctionne. Dans la boîte, de la façon que je les ai reçus, c'est directement comme ça. Moi, je pensais au début que c'était sans fil, que c'était juste une bande que tu venais mettre, qu'on pesait sur un petit bouton ou directement connecté Bluetooth sur le cellulaire. Et non, il y a les fils. Par contre, les fils sont sont quand même transparents, mais ça finit par paraître sur la peau qu'on a des petits fils. Donc, je pense que ce produit-là, c'est parfait quand on est dans un club, que c'est un peu dark. Ça paraît pas trop, mais à la lumière du jour et avec mon ring light, ça paraît quand même que j'ai deux fils de coller. Vous avez les deux bandes ici qu'on doit aller se mettre directement sur les paupières. Là, malheureusement, il y a comme pas de colle. Il y a pas grand-chose dedans. Fait que là, honnêtement, je vais tester. Je vais essayer de mettre du latex en petite couche pour voir si ça marche. Mais il y a une forte possibilité que je les brise aujourd'hui. Donc, ce que je vais aller faire, je vais aller cacher ça first dans ma perruque, directement à l'arrière. Les fils sont assez longs pour que ça se rende. Donc, on va passer ça comme ça. On va aller mettre un peu de latex dessus. Alors, ça risque d'être fatal un peu et j'espère de pas m'électrocuter avec ça. Je vais aller mettre à peine de latex parce que j'ai pensé tantôt puis de mettre du double side tape, mais je pense pas que ça va tenir. Je vais aller en mettre. C'est pas évident. Ok, et là, on va essayer d'aller les mettre directement au-dessus de ma ligne de paupières. Je vais juste reculer mon miroir un peu. Je vais donner une charge, je vais la tenir. Je vais attendre une petite minute. Ok, il est installé. Ça semble pas vouloir décoller tout de suite. Mais je vais vraiment faire attention à mon œil. C'est pas tant fatigant là, j'ai pas eu le choix de le mettre vraiment haut parce que j'avais mes fossiles que j'ai mis en angle ce soir. Mais c'est pas si pire, c'est pas si agaçant. Mettons je mettrai pas ça pendant 4 heures de temps. OK. Là, j'ai les longs fils ici. Puis je veux comme pas trop les enlever brusquement. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller les passer en arrière de mon oreille. Ok, c'est pas si pire. Là, c'est le moment de vérité. Est-ce que ça va allumer ou non? Ok, 3, 2, 1. Oh my god! Ça marche! Je suis impressionné, mesdames et messieurs. Je ne pensais pas que ça allait fonctionner. Je vais fermer ma lumière juste pour que vous voyez un petit peu mieux. Oh my god!
OK, c'est définitivement l'accessoire de party number one, mesdames et messieurs. Ouh! Les fils, honnêtement, c'est pas si pire que ça. Je pensais que ça allait être un peu plus achalant que ça. On va échanger le pattern pour le fun. Tant voir. Oh, yes! Là, j'ai allumé mon miroir devant moi si je le ferme. C'est hot quand je ferme les yeux. Hey, celui-là, il est vraiment buzzant, mesdames et messieurs. Il est vraiment cool. J'adore. J'ai baissé un peu la luminosité de mon ring light pour que vous puissiez voir un peu comme du monde. Qu'est-ce que ça donne, mettons, avec une certaine lumière. Et honnêtement, là, c'est vraiment débile comme produit. Je suis in love. Les fils sont encombrants, mais c'est pas si pire. Tu sais, je pourrais faire un spectacle complet avec ça, mais je les t'offrais pas une soirée au complet. Mais définitivement, pour aller faire un segment dans un party ou quoi que ce soit, là, c'est l'accessoire ultime. Est-ce que c'est approuvé Rainbow? Roulement de tambour. For sure que c'est approuvé Rainbow. Oh my god, c'est vraiment débile comme produit. Je suis in love. Si jamais vous êtes intéressé à vous procurer le produit, vous pouvez directement aller sur Amazon. Ils vendent directement le produit. Sinon, il y a certains sites internet si vous faites des recherches. Je vais en mettre quelques-uns dans la barre d'infos. Mais sinon, je pense que je vais m'en commander dans toutes sortes de couleurs parce que il était disponible en rose, en bleu, en vert et en blanc, si je me trompe pas. Mais oh mon Dieu, j'adore ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-le dans la barre de commentaires. Je veux voir vos réactions, à savoir si vous aimez ça ou non. Et si jamais vous me suivez sur Instagram, rainbow.drag, et que vous avez des photos, taguez-vous avec ça. Je veux vous voir avec ce produit-là. C'est vraiment malade mental. Donc, si c'est pas fait, abonnez-vous à ma page Rainbow Drag. N'hésitez pas à donner un thumbs up si vous avez aimé ma vidéo et de partager ma chaîne, s'il vous plaît. Ça serait full gentil. Si vous avez d'autres produits dans ce style-là que vous aimeriez me voir faire un review, n'hésitez pas à me l'envoyer dans la barre de commentaires ou directement en message sur Instagram. Ça va me faire plaisir de tester le produit pour vous. Et sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Je vous aime. Bonne journée.